Yo tout le monde, c'est Gaming and Fun, comment allez-vous? Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Donc on se retrouve pour les véhicules numéro 28, je crois. Ah, je m'y perds dans les numéros en ce moment. Donc là, c'est la Roosevelt. Alors, c'est la Albany Roosevelt. Alors, pourquoi ils l'ont appelé Roosevelt? Tout simplement parce que Roosevelt, c'est le nom d'un président des États-Unis. Et donc sûrement que ça veut dire c'est une Rolls-Royce, voilà. Donc, je pense que tout le monde avait reconnu la voiture. C'est une vieille Rolls-Royce, après le modèle je sais pas, mais je sais que c'est une Rolls-Royce. Et il y a longtemps que j'ai pas modifié, donc on va voir ça. Donc cette voiture elle était dispo dans le DLC du massacre de la Saint-Valentin. Donc ça remonte déjà. Bah, il est sorti à la Saint-Valentin, donc je sais pas c'est quand. Et je m'en fous en fait. Et donc Bah non, le massacre de la Saint-Valentin, il y avait ça, il y avait la suffrageuse de Zonberg, qu'on a toujours, comparé au fusil de qui tire de feu d'artifice qu'on a pu. Enfin, moi, je l'ai toujours dans mon inventaire, hein. Il me reste toujours des balles, mais on peut plus l'acheter, quoi, c'est con. En plus, moi, j'ai pas eu trop le temps de l'utiliser, vu qu'il y avait tout le temps les bugs, là... Donc du coup, une fois sur deux, je l'avais pas dans... Il apparaissait pas dans les magasins d'armes, donc... déjà, ça s'était fait. Enfin, même plus d'une fois sur deux. Une fois sur trois, une fois sur quatre, il y était. Le trois quarts du temps, il y était pas, donc du coup, bah, je pouvais pas l'utiliser, donc bah voilà. Par contre, j'ai eu plus de chance avec le mousquet. Et avec lui j'avais tout le temps mousqué. Mais j'ai remarqué dans les armeries il n'y a plus beaucoup de place, hein, sur le mur de droite. Donc je pense que les prochaines armes qu'il y aura, bah, on pourra pas les garder à vie, je pense, hein, parce que à moins qu'ils fassent un DLC puis qu'ils agrandissent le mur, parce que les armes là ils commencent à en avoir beaucoup. On peut en mettre encore 3 ou 4, mais il y aura bientôt plus de place, donc il va falloir qu'ils suppriment une arme pour en mettre une autre, ou carrément mettre des armes qui soient disponibles pas à vie. Donc la voiture là, c'est pas une voiture qui est très rapide. Enfin, pour une Rolls-Royce, c'est assez rapide quand même. C'est vrai que là, ils ont un peu exagéré l'accélération, la vitesse. Une Rolls-Royce, bof, hein. Mais je trouve qu'elle est assez cool quand même. On la pilote assez facilement. Donc réparer le blindage 100%. Le frein de course, le moteur, niveau 4, le klaxon. Alors le klaxon violet, je le kiffe. Donc je vais le laisser comme ça. Éclairage, xénon, la plaque. Je la laisse comme ça. La peinture, donc on peut mettre une principale et une secondaire. Donc on va la mettre en orange, vu qu'il y a, je sais plus quel président, qui en avait une orange comme ça, il y en a eu deux au monde même. Je sais plus. Et je m'en fous. Secondaire, je vais mettre gris. Ouais, comme ça, c'est bien, ça. Ouais, ça claque. Suspension, sur un Rolls-Royce, non. Tuning, les roues. Faut avoir les roues. Les roues. Les Lowender, il fallait. Ah, les roues là, j'aime bien parce qu'il y a les. Il y a les petits. Les petites vis qui servent à serrer les roues. Même que dans James Bond, elles. Pour ceux qui ont vu. Pour ceux qui connaissent un peu James Bond, on peut. En fait, les. Le truc là.
le truc en étoile là, il tourne et il sert à crever des pneus. Voilà. Donc les pneus custom, c'est des pneus à flanc blanc. Ils sont pas mal. Allez, pour ce débat, allez, on va mettre la fumée de pneus orange. Et donc les fenêtres, bah noires, vu que c'est une voiture présidentielle. Voilà. Donc il n'y a pas eu grand chose de... Comment... de spécial à faire, mais je trouve que c'est une voiture qui est assez particulière, on va dire. Donc j'ai décidé de la faire, même s'il y a pas tellement de choses à dire dessus. Moi je trouve qu'elle est assez classe quand même. Ah, ce qui me fait trop chier, c'est qu'il y a un véhicule dans la DLC, mais qui soit disponible que quelques temps. Genre le Liberator, quoi. Le Liberator en online, je crois qu'on peut plus l'avoir, hein, il me semble. Ou alors c'était que les feux d'artifice, je sais plus. Je sais que les feux d'artifice, on peut plus les avoir online. Enfin, je veux dire, les feux d'artifice composés par terre. En online, il y en avait et c'était assez classe. Même si je les ai pas utilisés. Moi, j'utilisais que le... la lance pyrotechnique. Et dans le solo, bien sûr. On va essayer de faire un petit saut là. On va pas se manger. On va pas tomber du pont pour une connerie. Ah, on voit pas très bien. Bah, il fait nuit là. Oh merde. Comme il a gueulé. Oh, c'est quoi le truc là? On va bientôt le savoir. Une coccinelle de merde. Et on va sauter là. Et puis ça sera la fin de cette vidéo. Si on arrive à sauter, bien sûr. Oh, le panneau. Oh là, je me suis mangé le panneau publicitaire. Ça aurait pu être méchant. Il y a les côtes ici en plus. Hein? Miss Fortune Bill. Oh, c'est un cassos qui vend des maisons. Ok, donc j'ai perdu mes deux portes. Ok. Donc les gens, on se retrouvera bientôt pour les véhicules numéro 29, il me semble. Salut.